Ah, merci bien pour votre point de vue par rapport à votre relation avec la FNDC. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes le président de l'Union pour le changement de la Guinée. Et pendant les élections législatives, elle ne s'est pas présentée. Pourquoi? Est-ce l'unique raison du fait que le président Alpha Condé veut simplement faire un changement du référendum pour se présenter ou encore pour un troisième mandat? Ou quelle autre raison aviez-vous? Bon, de toute manière, je ne suis pas dans le cœur du procès pour savoir ce qu'il pense. Mais j'ai dit qu'au vu de la lecture des choses, c'est comme si c'était fait pour lui. Mais comme lui-même ne l'a pas exprimé, moi je n'apporte pas de jugement. Mais j'ai dit que le professeur doit penser à une chose. Il est venu pour donner de la stabilité à la Guinée. Il est venu pour mettre la Guinée sur des rails. Nous sommes dit, il est resté longtemps en Europe. Il a fait plus que toute sa vie en Europe. Tout ce qu'il aurait appris, qu'il aurait copié ça en Guinée. Quand vous voyez le président Ouattara. Mais la fonction du président, ça donne envie d'être président. Parce que vous voyez les actes qu'il a posés. C'est visible et on peut toucher. Quand il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, quelles sont les manifestations qui ont eu lieu et puis les gens sont morts sur les trottoirs? Il n'y en a pas. Quand vous prenez le Mali, il n'y en a pas. Quand vous prenez le Sénégal, il n'y en a pas. Mais pourquoi en Guinée, chaque fois il y a des manifestations, il y a des morts? Donc ce qu'on nous dit, même en France, quand on m'a dit, ça m'a choqué. On dit, mais chez vous, la vie n'a pas de sens chez vous, en Guinée. Chez vous, en Guinée, la vie n'a pas d'importance. Je dis, mais si, la vie a de l'importance. Mais nous ne voulons pas, on ne veut pas fusiller qui que ce soit, mais je pense que cette constitution, elle n'avait pas son droit de l'être. Pour l'instant. Si le procès l'avait fait au moment, j'ai dit bien au moment où il avait été élu dans son premier mandat, personne ne trouverait d'inconvénient dessus. Mais s'il l'a fait, parce que maintenant, ce qui veut dire que le mandat des 10 ans sont finis, c'est que lui-même, là, il n'est pas sûr de son bilan qu'il a fait. Parce que si un président change de veut se présenter pour un troisième mandat, c'est parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a eu à faire. Il n'est pas sûr de son mandat. Il s'est dit qu'il n'a pas travaillé. Mais s'il a travaillé, il est fier de partir comme Ouattara. Ça fait plaisir de partir. Et de laisser comme un footballeur qui est très bon au football, qui joue bien, et puis tout le monde le supporte. Et puis arrive un moment, il dit, bon, je quitte. C'est-à-dire qu'il laisse son nom dans la bouche des perdants. Mais s'il continue, et qu'il est battu, et qu'il ne vaut plus rien, il continue de jouer, mais il efface son passé. Le professeur Alpha doit nous donner une seule chose. C'est en partant de ce pays, mais c'est un pays démocratique, un pays en paix. Ceux qui le poussent, ceux qui sont en train de le pousser, nous disent que, monsieur le président, vous êtes la solution à tout. Ce n'est pas vrai. Ils ne se battent pas pour le président, ils se battent pour eux-mêmes. Parce qu'après le président Alpha, ça va continuer de marcher. Il y a des enfants, des fils doués de ce pays qui sont capables de faire encore mieux que ce que lui a eu à faire.